Est-ce que cette souche cette souche est présente dans notre région depuis quelques temps. Souvenez-vous. Voilà. Est-ce qu'on peut marcher, les amis? Donc là, allez, on va marcher. 99. Ça vous emmène sur le aller le 19 avril. Oui, oui, c'est ça. La fille de Réglé, qui fait la montre au Arab Tsersi. Souvenez-vous, le Arab Tsersi était là présent au salon des étalons. Et juste avant, quand vous avez deux minutes, allez réserver vos repas pour ne pas subir la queue. C'est au stand AQPS, voyez la toile verte et blanche. Allez-y, revenez. Par une charmante jeune femme. Donc, un fils de Relink sur Askra par Voie du Nord. Il nous vient de chez monsieur Toupis et Lacori. Corrèze, rendez-vous compte. Ils ont fait toute la route. Ils sont arrivés hier soir. Sous la flotte, m'ont-ils dit. Donc, Askra, c'est deux victoires. Et une très bonne place, c'était le prix des nuages. Vous collez bien la barrière, madame. Vous collez la barrière avec la mer. Allez-y, collez la barrière et le poulain va suivre. Et donc, du coup, Askra est une fille d'Onisia. Allez, au trot. C'était placé au trot. En plein et en obstacle. Mais surtout, si on va un tout petit peu plus loin, et pas très loin, on y retrouve un très bon cheval anglo-saxon, Nycteos, qui est lui gagnant du Silver Trophy Chase à Cheltenham Groupe 2. Donc 6 victoires, groupe 2 en Angleterre, à Cheltenham dans le temple. Reviens, à droite Léo. Hop, 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 h